¿Y cómo el mamu sabe eso? ¿Cómo lo siente, lo ve? Porque ahí vio el camino de la Dijue. Aquí en el, la falla. La falla, ahí. Ahí está el camino. Mon métier, c'est professeur de sciences de la vie et de la terre. La professora de ciencia de la vida y de la tierra. Et je suis ici parce que tu nous as demandé de venir. Está aquí por mi culpa. C'est un grand plaisir pour moi. Tu culpa. Sí, culpa mía. Es un placer para ella. Por suerte. Par chance, c'est une chance. J'attends avec beaucoup de curiosité et ce qui va se passer. Está muy con mucha curiosidad qué va a ocurrir. Voilà, je m'appelle Gilbert. Je suis le mari de Béatrice et je suis moi aussi professeur de sciences de la vie et de la terre. Elle también es se llama Gilbert, también mismo trabajo, no de la misma forma, pero mismo trabajo de la vida, profesor de la vida, de la ciencia, de la tierra. Ya cuando baba cuota la ya, en febrero. Baba cuota ni en que hay que decir que si chicos que ha quedado bueno en el día. Ah, bien. Je vais y accouer. Le grès ici, il n'y a pas de grès. Sauf ici. Oui, oui, c'est ça. Et quand on va à la carte géologique, vous la connaissez, j'imagine. Il n'y en a pas sauf un tout peu au-dessus de l'île. Et ici. En termes de logique géologique. A priori. C'est un secteur qui est très faillé. Pour les animaux, c'est un site aussi important pour vous. Donde está su agua, donde está, o sea, igualmente cuando como uno hace, llega en su casa, llega en el río, llega donde hace ses affaires et ses habitudes, les animaux avec ici leurs affaires, leurs habitudes, leurs yeah. Por eso mismo, para nosotros, en la vida de nosotros, esto es muy importante. Il ne se peut pas détruire. Il faut rester dans son état naturel pour que les animaux. Il y avait trois choses. Il y avait la première, c'était, je l'ai déjà oublié. La première, quelle era? La partie spirituelle. Ah, la spirituelle. La deuxième, c'est de ne rien faire en matière agricole qui perturbe un lieu qui est spirituel. Mm-hmm. Par exemple, ce qu'on a croisé tout à l'heure. Et la troisième, c'est de veiller sur les graines pour qu'elles restent vraiment des graines originales, pas manipulées, parce qu'il dit, mais. Ça va complètement transformer, y compris notre spiritualité. On perd quelque chose de notre âme, de la vie. Nosotros humanos mismos, esa persona misma hace las normas y no aprendemos desde la naturaleza. C'est parce que nous on fait nos propres normes. Hay cambio de mentalidad. De mentalidad. On n'intègre pas du tout ce qui permet de vivre. Et donc c'est ça qui change nos mentalités. Il n'y a plus de place pour la vie. Et on a construit nos propres normes qui éliminent la vie. Et ça, on le sait. On a vu plusieurs. Donc ici, on est dans une, pour l'instant, on pourrait quatre, voilà, une pinède donc, de pin, mais c'est en même temps une pépinière de la nouvelle forêt, qui va, enfin de la nouvelle, c'est pas la nouvelle, c'est la forêt véritable, qui va revenir. Donc ça a pris des chemins un peu tortueux, mais au bout du bout, la nature fait ce qu'elle a à faire. Et elle installe la meilleure forêt possible à chaque endroit. On va rentrer ici, et c'est le plus qu'on le pense. Une période de sécheresse qui va être très longue, de 10 ans, il y aura quasiment plus d'eau et plus de pluie. Et par endroit, le feu va prendre. Chez nous, on sait très bien, on connaît l'endroit où le feu va prendre. C'est un lieu qui va mener.
Ça durera 4 ans. Je suis aïe, aïe, aïe. Il y a beaucoup plus de choses. La gagne de l'argent. Mais ça ne va pas tarder. Après, il y aura ce qu'on fait au début. Il y aura la pluie. On a perdu un trépied. Trépied, c'est biodiversité, abondance et proximité. La biodiversité, c'est les espèces qui sont présentes. Eh bien, on en a perdu, donc il en manque. L'abondance, on a des densités qui ne sont pas des densités naturelles, qui sont des densités rikiki, petites. Et puis la proximité, bah, c'est le fait de pouvoir être très proche, à quelques mètres seulement d'un animal. Et ça, c'est, ça a complètement disparu parce que les rares individus qui s'approchaient de l'homme, ils ont été accueillis à coups de plomb. Et donc, ils sont plus là pour transmettre à leurs petits, on peut quand même s'approcher de l'homme, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Et c'est ce qu'il faut retrouver.